Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du mercredi 5 janvier 2022. Elle s'intitule « Dites les tontons, ça vous écorcherait la bouche d'en parler ?» Deux informations passées presque inaperçues, voire carrément tues par les chiens de garde en quête du nonos Essaba et habituellement si rapides à bondir sur l'exécutif et ses décisions. Le recensement du foncier industriel a été clos, terminé, achevé, et des terres agricoles non exploitées ont été récupérées. Juste ces deux faits-là. Une question qui me semble dès lors fondamentale dans une appréciation de journaliste. Je rappelle au passage que la base de notre job est de dire, de rapporter ce qui se fait, en mauvais et en bon aussi. Mais bien évidemment, lorsque tu dis, souligne et rappelle aux bonnes âmes volontairement amnésiques, je vous signale que le recensement du foncier industriel, c'est un chantier jamais vraiment entamé avant 2019 et qui est aujourd'hui effectif enregistré. On te regarde et on zieute tes lèvres pour vérifier qu'il n'y reste pas quelque part, au bord, aux commissures, quelques bouts de keshir. Alors, si tu rajoutes que des terres agricoles attribuées par le clan d'Oujdal et de Mosquée aux amis, copains et coquins, elles ont été récupérées ces terres, les pouvoirs publics se les sont réappropriées en vertu de la loi sur l'investissement, je ne te dis pas. Ou plutôt si, je te le dis. Là, on ne cherche plus les résidus de keshir entre tes dents. Non, penses-tu? On te soupçonne dès lors d'avoir décroché carrément la concession exclusive de la production et de la distribution de keshir au niveau national. Eh ouais, il existe comme ça un comité d'éthique et de déontologie secret de la profession qui a ses règles, ses propres règles, pour désigner d'office et de façon agressivement péremptoire qui est un bon journal et qui est le vilain canard. Une sorte de boîte noire qui dispatche d'autorité, prise on ne sait où, les labels opposant Chita, journaliste et propagandiste. Au nom de quoi? On ne le sait pas. Peut-être au nom d'une légitimité auto-décernée et ne se distribuant qu'entre initiés, dans un cénacle à la porte verrouillée par des codes qui circulent sous le manteau de manière encore plus sévère et jalouse que les codes de Canal+. Deux infos capitales dans le processus certes balbutiant de lutte contre les méfaits de la SABA, mais qui ont le mérite d'être là aujourd'hui, d'exister, et pourtant, le mot d'ordre magique a été donné par ce fameux cénacle. Chut, silence les camarades, on n'en pipe pas mot. Et il est vrai que lorsque la bouche est pleine, il est difficile de tirer sur plusieurs pipes à la fois. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.